Bonjour à tous les Kamsyogi, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille dans ce nouveau kit yoga et alimentation émotionnelle et j'ai l'honneur de vous présenter Alexia qui est avec nous pour ce kit. Donc Alexia, tu peux peut-être t'introduire un peu, te présenter à toute la communauté. Bien, merci, je suis ravie d'être avec vous. Merci de me donner l'occasion effectivement de parler de yoga et alimentation émotionnelle. Donc je m'appelle Alexia Michel, je suis professeure de yoga et je me suis spécialisée donc dans cette question. Donc premièrement du fait de mon histoire personnelle qui n'a pas toujours été facile avec l'alimentation. Donc j'ai souffert d'un trouble des conduites alimentaires, ce qui m'a vraiment poussée à me questionner sur le yoga et la méditation, tout particulièrement parce que ça m'a vraiment aidée donc, à guérir, à me reconnecter à mon corps, à mieux gérer mes émotions, à aller au-delà finalement de tous ces comportements problématiques. Et donc j'ai découvert que le yoga aidait beaucoup de gens dans ce cadre-là. J'ai donc développé une méthode particulière, un programme qui s'appelle Yoga and Peanut Butter. Et aujourd'hui, j'espère que en tout cas le yoga aidera un maximum de personnes à retrouver de l'équilibre face à l'assiette et de la connexion avec soi-même. Pour ce kit-là que tu présentes avec nous sur la plateforme, peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça va consister, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir découvrir sur le kit ? Alors, plein de choses. Déjà, trois grands axes. Le premier, c'est se connecter à son corps, un corps qui est souvent un petit peu meurtri par des comportements qui ne sont pas forcément bienveillants, voulu ou pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'avoir de la bienveillance envers soi-même et se reconnecter à ce corps qui est toujours là pour nous. Le deuxième grand axe va être du coup d'appréhender les repas donc avec beaucoup plus de sérénité, vraiment arriver à faire face à ces fluctuations émotionnelles et être vraiment en conscience face à la nourriture et au repas. Le troisième axe, c'est développer l'estime de soi, que ce soit sur le tapis et surtout en dehors. Mais en tout cas, voilà, arriver à se connecter à beaucoup plus grand que finalement ces troubles-là qui ne nous constituent pas, qui ne sont pas notre identité. Et voilà, retrouver de la force avec l'estime de soi, de la connexion à sa personnalité et aller de l'avant. On a un très très grand programme du coup. Voilà. Mais génial, est-ce que tu peux peut-être nous donner un ou deux des petits détails sur les vidéos qu'on Bien va sûr. Rencontrer dans le kit ? On est vraiment ici dans de la douceur, de la modération. L'idée, c'est de venir travailler l'ancrage, la patience, cette connexion avec le corps, appréhender les repas différemment avec une session sur le yoga de la nutrition. Donc, je partagerai avec vous quoi faire face au repas et selon toujours le yoga. Et on avancera petit à petit vers jusqu'à une méditation. Donc, on aura tout un fil rouge. On avancera jusqu'à une méditation qui va nous amener à vraiment nous connecter à nous-mêmes au-delà du mouvement et au-delà du tapis également. Merci beaucoup Alexia. Avec plaisir. Donc, j'espère que vous avez autant hâte que moi de découvrir ce merveilleux kit. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sous les vidéos et on y répondra avec grand plaisir. Merci à tous et à très bientôt dans le kit. Ciao. Merci.